Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi de pouvoir échanger quelques minutes avec vous et en même temps, je suis bien sûr désolé de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui pour cet anniversaire. Il se trouve que moi aussi j'ai 40 ans et 2 années en plus et donc je vois bien le temps long dans lequel le GRS se projette, les 40 dernières années mais aussi les 40 prochaines. Ce que j'ai vu du GRS m'inspire 2 réflexions. Je pense que vous partagerez assez facilement avec moi. La première, c'est que pour moi, le GRS, c'est une forme de professionnalisme et d'entrepreneuriat qui est assez originale, je vais quand même pas dire unique, mais originale dans le monde du développement et des ONG. Je crois que c'est fondamental d'avoir des structures qui sont dans une logique très professionnelle, la plus entrepreneuriale possible et qui invente des modèles économiques hybrides à la fois du non-profit et à la fois rendre des services qui ont leur propre modèle économique et qui tournent par exemple dans le domaine de l'énergie. Et puis le deuxième mot-clé qui me vient quand je pense aux 40 ans passés du GRS, c'est l'innovation. Je pense que vous avez fait partie des acteurs qui justement ont essayé d'inventer, ont essayé de sortir des sentiers battus, de trouver des nouvelles réponses et pas simplement de se contenter de copier-coller ce qui a marché ou même parfois ce qui n'a pas marché mais qu'on continue de faire malgré tout. Et donc l'innovation, le professionnalisme, l'entrepreneuriat, je trouve que c'est quelques mots qui résument ces 40 dernières années. Au service de quoi ? Au service d'une cause qui nous est totalement commune, c'est-à-dire un monde soutenable, un monde où les plus pauvres ont enfin accès à des biens communs, que ce soit l'éducation, la santé, ou l'énergie, ou l'eau, et tout cela pensé dans les limites d'une seule et même planète qui est le bien que nous avons en partage. Je crois que ces valeurs fondamentales, vous les avez depuis 40 ans. Je suis absolument persuadé que vous les aurez aussi dans les 40 prochaines années. Et vous connaissez mon combat, que ce soit en tant que ministre du Développement il y a quelques années ou aujourd'hui au sein du WWF. Ce sont des choses qui nous lient, qui nous relient et qui, j'en suis certain, font que encore plus demain qu'aujourd'hui, nous allons continuer à travailler ensemble. Donc, bon anniversaire pour ces 40 ans et bons travaux aujourd'hui. À bientôt.